Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on commence à découvrir les magnifiques cités d'Iran. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Après 6 mois en Amérique latine, nous nous sommes lancés comme défi de relier l'Inde à la Suisse uniquement par la terre. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. On est arrivé il y a quelques jours en Iran et maintenant on est dans la ville de Kerman, qui est une ville assez connue pour le tourisme, qui a plein de magnifiques bâtiments anciens, donc c'est vraiment sublime. On sent vraiment qu'on est parti du sous-continent indien, c'est très différent ici, il y a plein de choses qui changent. On s'attendait pas à ce que autant de choses changent, mais on a dû bien s'adapter parce qu'il y a certaines de ces choses qui nous ont donné du fil à retordre. Il y a notamment la langue qui est complètement différente, qui a plus rien à voir, et les gens ne parlent quasiment pas anglais, donc ça rend difficile la communication, aussi pour lire des menus par exemple, parce que c'est une écriture différente. Tout est en farsi. Tout est en farsi, donc c'est vraiment un apprentissage à faire. On va devoir apprendre quelques mots. Ouais, c'est vraiment un cours intensif là. On a déjà appris plein de choses en 3 jours, beaucoup plus que ce qu'on avait appris d'ourdou, donc c'est bien, on est forcé à vraiment apprendre la langue locale. Les gens sont aussi moins curieux de nous voir, ils ont plus l'habitude d'avoir des touristes, donc on nous demande moins de faire des selfies et puis on a un peu moins des bêtes de foire, donc ça c'est assez, ouais, assez agréable. Et quelque chose qui nous a assez surpris aussi, c'est que le voile est obligatoire en Iran pour les femmes, mais les femmes sont extrêmement présentes dans l'espace public, contrairement en Inde ou au Pakistan, on voit très peu de femmes servir dans les restaurants ou travailler de manière générale dans les magasins, et depuis qu'on est arrivé en Iran, il y a beaucoup plus de femmes dans l'espace public, ce qui nous change pas mal. Quelque chose d'autre qui nous surprend beaucoup en Iran, c'est que en venant ici, nous on s'attendait à ce qu'il fasse super chaud parce qu'on a un peu cette image que c'est le désert et que du coup c'est des températures invivables. Et en fait, après les 47 degrés qu'on a eu en Inde, il fait pas si chaud que ça. Il fait chaud la journée, mais la nuit ça se rafraîchit beaucoup en fait. Alors qu'en Inde et au Pakistan, quand il faisait chaud, ça descendait pas beaucoup la nuit. Donc on est agréablement surpris à ce niveau-là. Et puis on sent qu'on est dans un pays sous sanctions internationales parce qu'on ne peut pas du tout utiliser nos cartes de crédit ou de débit. Il n'y a juste aucune option possible. Donc les gens, quand ils viennent faire du tourisme ici, ils viennent avec des dollars ou des euros en cash et ils les changent. Et comme nous, on est dans un long voyage, on n'a pas tout cet argent avec nous. Donc on a réussi à trouver un moyen de se faire envoyer de l'argent par des intermédiaires pour avoir une carte iranienne de débit. Mais c'était très compliqué. Mm-hmm. Et puis l'argent, c'est aussi assez compliqué parce qu'on parle de plusieurs millions. Un franc, c'est environ 300 000 rials. Et puis en plus, ils ont une unité spéciale qui est le toman, qui vaut 10 rials. Donc il faut toujours réussir à comprendre en quelle langue, en quelle unité on parle. Et ça complique encore un petit peu la discussion. Engager un guide qui va nous emmener dans le désert le plus chaud du monde, le Dash Eilut, dans lequel la température la plus chaude jamais enregistrée a été prise par la NASA, 70,7 degrés Celsius. C'est fou. Juste inimaginable. Mais aujourd'hui, même si on est en été, ça va encore. Au milieu de la journée, à midi, il faisait une soixantaine de degrés. Mais on est là en fin de journée, donc ça va mieux. Et c'est aussi une zone où il y avait beaucoup de caravanes qui passaient pour apporter des biens. Et il y avait des caravanserais qui sont des sortes d'hôtels de l'époque, des petits forts. Des motels. Des motels, c'est ça. Où les gens dormaient, étaient en sécurité et échangeaient des biens. Et là, c'est un caravanserai qui date de 500 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est super, super impressionnant au milieu du désert.
on est arrivé au centre du désert Kalout. Et il est 7h du soir et il fait 53-54 degrés. On a juste l'impression d'être dans un four, c'est presque irréel. Et on est au milieu de petits monticules qui sont très particuliers. Et ce qui est hyper marrant, c'est que les caravanes, quand elles passaient, vu qu'il y a une érosion qui fait qu'on a l'impression que c'est des anciens châteaux, ils pensaient qu'il y avait une immense cité sur des centaines de kilomètres carrés, une ancienne cité qui avait été abandonnée et détruite, et c'est pour ça qu'il y avait ces formes particulières. En 2003, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,5 a tué plus de 26 000 personnes dans la région de Bam, au sud-est de l'Iran. Un des villages touchés fut celui de Keshit, au sud-est de l'Iran. Après sa destruction, le village fut abandonné et un nouveau village a été construit à quelques centaines de mètres de là. Baptiste, on va où ? À Yazd. Yazd. Plantée au milieu du plateau iranien entre deux déserts, on dirait que la ville sort d'un autre monde. Deux couleurs la dominent. Les mille nuances de bleu des mosquées se mêlent aux murs terracotta de la vieille ville. Tout est conçu afin de rafraîchir les maisons. Des murs épais, des tours de vent et des kanats, canaux souterrains, approvisionnent la ville en eau. On associe beaucoup l'Iran avec l'islam, mais il y a une autre religion qui vient d'ici, c'est le zoroastrisme, qui est la première religion monothéiste, créée au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, donc qui est extrêmement vieille, et qui vient de leur prophète qui est Zoroastre. Hier, on a visité le temple Zoroastre à Yazd, qui est assez neuf en fait, qui a été
créé dans les années 40 pour abriter la flamme qui brûle depuis l'an 470, qui brûle de manière ininterrompue. Et puis aujourd'hui on est au Tour du Silence, c'est le lieu où les morts de la religion zoroastre étaient placés pour se faire dévorer par les vautours. C'est plus du tout utilisé aujourd'hui, mais du coup c'est très intéressant de visiter ces lieux et de comprendre un peu plus cette religion. Aujourd'hui c'est une religion qui a assez peu de fidèles comparé à l'importance qu'elle avait à l'époque, donc c'est assez minoritaire en Iran par rapport à l'islam. Mais en fait, sans le savoir, beaucoup d'autres religions se sont inspirées du zoroastrisme. Rien que par exemple le christianisme, on a des choses qui viennent de là. Par exemple, le fait de décorer des œufs de Pâques et de les peindre et de manger des œufs, ça vient du zoroastrisme. Donc c'est vraiment intéressant de voir tous ces liens entre le zoroastrisme et d'autres religions. L'Est de l'Iran, c'est déjà fini, avec un coup de cœur pour le désert et les oasis proches de Kerman. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir les mystères de la cité antique de Persépolis.